l'instar des autres communes du Bénin pour le compte des 61 ans d'indépendance, la commune d'Adjara a elle aussi sacrifié à la tradition avec le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts des enfants d'Adjara morts pour la patrie ce dimanche 1er août 2021. En cette occasion solennelle de la célébration du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, je me fais le sacré devoir, au nom des fils et filles de la commune d'Adjara, de m'incliner devant la mémoire collective des vaillants concitoyens béninois morts pour la patrie. Hommage et paix éternelle à ces valeureux Adjaranou qui ont donné leur vie pour la liberté et la souveraineté de notre cher et beau pays, le Bénin. En effet, les archives de notre histoire sociologique, sociopolitique, nous enseignent que c'est au prix de hautes luttes et même au sacrifice suprême que le Bénin a été libéré de l'empreinte du colon. Tout le mérite est à ceux-là qui, au nom de la fierté nationale, ont eu le courage d'un combat aussi noble et honorant. Le président Patrice Guillaume Athanase Talon, homme de vision et d'action, a réussi à insuffler la vraie dynamique de développement à notre pays avec des transformations majeures qui concourent à un nouveau look du Bénin et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Pour nous, actuels dirigeants, à quelque niveau que ce soit, nous sommes très contents, très heureux de ce développement. Je voudrais toujours compter sur le soutien de chaque citoyen d'Adjara pour apporter avec le conseil communal des solutions efficaces aux besoins du développement de notre communauté. Mesdames et messieurs, la commune d'Adjara a besoin d'être davantage révélée pour assurer son propre développement et le plein épanouissement à sa population. C'est sur ces mots que je vous souhaite une belle fête de l'indépendance. Cette année, une particularité a été observée dans cette commune à défaut du défilé. Il y a eu cette particularité parce que, à défaut du défilé, il faut marquer l'événement par la mise en terre des arbres. Et c'est ce que nous avons eu comme ordre de la direction départementale des eaux et forêts. Les filles et fils de la cité des Tambours sont tous animés d'une joie immense. Vous allez constater que c'est déjà un événement de joie parce que ça, 60 ans et dans la vie d'un homme n'est pas petit. Donc 61 ans déjà que notre pays a cédé à son indépendance. Donc c'est une grâce pour ceux qui sont encore vivants jusqu'à présent. Et nous remercions l'Éternel qui nous a prêté vie à voir ce jour de joie. Et de, premièrement, nous devons remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour la nation. Parce que nous avons vu le pays se métaphoser dans tous les domaines. Donc on ne peut pas dire que le Bénin n'a pas changé. Depuis 2016, nous avons vu un véritable changement dans le pays. Et nous l'invitons aussi à continuer dans le même dynamisme. Mes impressions sont celles de joie, de fierté, parce que d'abord nous nous sommes retrouvés sains et saufs aujourd'hui où nous sommes en train de commémorer les 61 ans d'anniversaire de notre indépendance. C'est une fierté pour toute la population d'Adjara. Vous nous avez vu le conseil communal avec les chefs de quartier ensemble pour commémorer cette fête d'indépendance. C'est une joie qui nous a tous animés. Mais que demandent les conseillers à la population pour conduire cette commune à bon port? J'invite la population à l'union, à l'amour et
Parce que c'est dans l'union de l'amour que nous pouvons développer notre localité. Nous demandons seulement à la population d'accompagner tout le conseil communal pour que notre objectif soit atteint. Ce 61e anniversaire célébré dans une sobriété totale est ainsi conjugué dans le passé. Vivement que le 62e ne soit pas dans les mêmes atmosphères.